Et bienvenue pour ce nouveau puzzle QSE. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer le nécessaire changement de positionnement de nos cadres dans nos organisations. C'est une évidence de dire que le monde bouge comme les technologies. Ce qui est important, c'est qu'elles ouvrent de nouveaux horizons. Et dans cet environnement changeant, le rôle du cadre doit évoluer. Il doit passer de celui qui sait à celui qui transmet et à celui qui accompagne. En d'autres termes, il doit faciliter la progression des membres de son équipe. Cela signifie que ces nouvelles technologies, pour les transmettre, il faut savoir les utiliser. Les cadres doivent donc remettre en cause leur certitude et savoir, mais attention, ne pas seulement apprendre, mais savoir utiliser ces technologies pour ensuite les montrer, les décrire et les utiliser. Le cadre devient facilitateur dès lors qu'il peut transmettre ses savoirs acquis et les utilisations qui vont avec, des utilisations maîtrisées. Ainsi, on facilite l'appropriation par l'autre grâce au chemin que l'on a soi-même parcouru et retenu. Mais attention, pour transférer ces savoirs à expérience, il faut être pédagogue. Maîtrisons donc concrètement pour montrer l'utilité de telle ou telle technologie et partageons nos suites avec des exemples concrets et adaptés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ce nouveau positionnement, au fait de devenir un facilitateur pour permettre à tous d'utiliser ces nouvelles technologies. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Bonne journée et à bientôt.